Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager en vous disant que Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu où il y a une femme qui souffrait de stérilité et son nom était Anne. Et là, elle était dans une souffrance terrible et elle s'est mise à pleurer devant l'Éternel. Et vous savez que nos larmes sont des phrases pour Dieu. Il entend nos soupirs inexprimables. Et alors qu'elle est en train de prier, il y a un prêtre qui va la voir et qui va l'encourager en lui disant que l'année prochaine, une vraie parole de Dieu, que l'année prochaine, elle aurait un enfant. Et effectivement, l'année d'après, elle a eu un enfant. Et savez-vous comment elle l'a appelé? Elle l'a appelé Samuel. Savez-vous ce que veut dire Samuel? Ça veut dire l'Éternel entend. Il y a cette réalité et c'était le témoignage que Anne voulait dire autour d'elle jusqu'à nous aujourd'hui, vous qui m'entendez, c'est que Dieu entend la prière. Dieu entend le cri du malheureux. Elle a donné le nom Samuel à son fils, qui veut dire littéralement « Dieu entend » parce qu'elle voulait donner ce témoignage. Quelle que soit ta souffrance, même quand tu n'as plus la force de formuler des phrases, même quand ce n'est que des larmes finalement qui coulent et qui roulent sur tes joues, Dieu entend. Il entend le cri du malheureux, il entend ceux qui se tiennent devant lui. Alors aujourd'hui, quels que soient tes combats, quelles que soient tes difficultés, il est Samuel, il est l'Éternel qui t'entend. Et je t'encourage, une action pour aujourd'hui, élève ton cœur, élève ton âme devant le roi des rois. Il est celui qui n'est pas sourd, son oreille n'a pas été faite de la main d'un homme, il est le Créateur. Il entend ta souffrance, il entend ton cri, il entend ton larme et le Seigneur, tes larmes, et le Seigneur va agir avec grâce et puissance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt les amis. Bye bye.